Le Comité international de la solidarité africaine, en abrégé CISA, qui a pour vision la célébration des grandes valeurs africaines de leur vivant avec une intention de booster la cohésion sociale et la solidarité en Afrique. Le CISA, à travers cette grande nuit baptisée « Célébrons nous vivants » qui s'est tenue le samedi 22 juin 2024 à la Caisse Stade d'Abidjan Plateau, a décidé d'honorer 14 récipiendaires qui ont fait de l'amour du prochain leur sacerdoce et ont fait du travail leur leitmotiv. Cette cérémonie a enregistré, entre autres, la participation de la présidente de MGC, Simone Gbagbo, de la promotrice du label du riz Nzrama de Diabo, Mme Rebecca Yao, de l'opérateur économique, Mohamed Kamara, de la bergère, la présidente de la fondation L'Enfant Jésus Rosa Mystica, Maman Pauline, et du PDG du groupe MCA, M. Jean Kaku Diago. La présidente de MGC, Génération Capable, Simone Gbagbo, l'une des 14 récipiendaires, a dit sa joie d'être honorée ce jour et souhaite long feu au CISA. C'est une activité très, très intéressante d'être encouragée. On a passé une soirée à célébrer la valeur, c'est une construction. Monsieur Jean-Claude Rando Njoli, je viens de la République démocratique du Congo et je fais partie du comité international de l'organisation CISA en tant que premier conseiller de l'organisation. La soirée a été une réussite parfaite. Le fait que les récipiendaires ont répondu favorablement à l'initiative du CISA et leur communauté les ont accompagnés pour qu'ils soient célébrés pour les grandes valeurs africaines qui doivent être pour nous, pour les autres, un modèle à suivre. Vraiment, c'est une réussite. Ensemble, nous avons partagé une grande joie et je pense que les éditions à venir seront encore plus meilleures. Je lancerai un appel à toutes les filles et à tous les fils de l'Afrique de s'unir pour qu'ensemble nous puissions relever les défis qui sont énormes pour notre continent, chacun dans son pays, dans son domaine. Et je pense que dans l'unité, dans la solidarité, nous pouvons y parvenir. Et c'est un peu ça mon message pour la jeunesse africaine, pour les Africains en général. Léo Mokhtar, je suis le coordinateur national de CISA en République centrafricaine. Aujourd'hui, nous célébrons les Ivoiriens qui ont marqué très significativement l'impact de notre pays, non seulement aussi de la République de l'Ivoire. Le message que je porte aujourd'hui ce soir à l'endroit des enfants africains, surtout la jeunesse, c'est de se réunir, beaucoup plus travailler sur la cohésion sociale, l'amour et s'entraide pour pouvoir avancer notre jeune Afrique. Il est bon de rappeler que la Grande Nuit de la cohésion sociale et de la solidarité, comme son nom l'indique, est un concept qui vise à célébrer des figures qui œuvrent au quotidien pour le bien-être de leur population. Elle est tournante et le parrain pour l'édition 2024 en Côte d'Ivoire était M. Adama Bitogo, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire.